Il y a exactement 4 jours. Dieu a brisé ce qui est le plus précieux pour moi. Il a brisé ma famille. La famille, c'est la chose la plus importante dans ma vie. C'est avec la plus grande tristesse que je dois laisser partir mon père. Espérons qu'il pourra veiller sur nous de là-haut. Faut lâcher prise même si j'ai pas envie. Je veux pas oublier nos bons moments. Quand on faisait des bonhommes de neige. Quand on se lançait le ballon de foot. Quand on jouait ensemble. C'est pas de sa faute, Flo. Pourquoi il me l'a pas dit? Je savais que c'est pas cette colle. Ça faisait un bout que je voyais que vous étiez plus nerveux. Puis, le rendez-vous? Oh non. C'est pas vrai. C'est la première fois que je voyais papa pleurer. Pour lui pleurer, c'était pour les filles ou les films. Je savais qu'il se passait de quoi. C'est 2 semaines que je faisais comme si rien n'était. Vous me l'aviez toujours pas dit. Viens, Florence, on y va. J'arrive. Tu vas-tu finir par y dire? Je suis pas capable. Veux-tu que je dise? Qu'est-ce que tu fais? Flo? Faut qu'on te parle. Quoi? L'autre jour, ton père est allé chez le médecin. Ils ont découvert un cancer. Le cancer des poumons. Thank you.
soir qui est revenue de l'hôpital. C'est quand tu me l'as dit que j'ai réalisé qu'elle allait vraiment mourir. Je comprends. Non, tu comprends pas. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on dirait qu'il s'en foutait. Mais non, Flo. En tout cas, il voulait rien entendre. Salut. Je pense pas que c'est bien bon ce que tu fais en ce moment-là. Je le sais. Ça tente pas d'arrêter. Non. J'en ai besoin, sinon je file pas, tu comprends? Moi, j'essaierai. Ça va changer quoi? Toi, tu vas rester là, rien faire. Puis tu vas laisser ton cancer te tuer. Ton cancer, tu vas le prendre, tu vas le détruire. Tu vas contrôler, puis tu vas le tuer. Tu vas faire ça pour moi, pour maman, et pour tout le monde qui t'aime, ok? Mais tu m'écoutes-tu? C'est pas comme ça que ça marche, Flo. Tu penses que ça marche comme ça? Je pense qu'il a décidé d'avoir un cancer, qui s'est levé un matin avec la bonne idée de détruire ses poumons. C'est arrivé, ok? C'est tout. Puis personne n'aurait pu faire quelque chose, même pas toi. Je sais pas. Sauf que je comprends pas comment il peut être insensible bien pareil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je peux-tu jouer avec vous autres? Oui. OK. OK. Je vais aller dans ma chambre. Je le voyais. Chaque fois qu'il m'approchait, j'y repensais. Je savais que bientôt il allait plus être dans ma vie. Et que je serais pas capable de vivre sans lui. Je sais, Flo. Je comprends ce que tu ressentais. Tu sais quoi? Ses amis sont là. Sa famille est là. Pourquoi tu y retournerais pas? Faut leur raconter. Pourquoi tu l'aimais autant? Vos moments? Hein? Faut lui faire honneur. Puis, laisse-le partir dans la joie puis l'émotion que vous avez vécue. Tu prendras ton temps. Tu pleureras si t'as besoin. Mais c'est le dernier jour que t'as pour lui faire honneur. Fait que voici. Elle mérite. Dans la vie, il y a les personnes qui nous sont chères. Ceux qu'on veut pas laisser partir. Ceux qui nous connaissent mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Avec qui on vit des moments forts. Ceux qui bâtissent ta personnalité.
qui t'apprennent à vivre. À persévérer puis à oublier. Mais surtout les gens que t'aimes. Puis que tu veux pas laisser partir. Je t'aime, papa. Pour toujours, puis à jamais.